Pas oublier, si vous avez une question, voyez une question pour nous. Dans la prochaine édition, pour nous mettre une question, dans la prochaine édition, nous allons répondre à toutes les questions. Chaque monde qui gagne, chaque monde, nous allons poser, nous allons répondre à toutes les questions, tout le monde, pour nous parler plus, pour nous expliquer plus sur une question. Kounya, nous allons rentrer dans 9 steps pour gagner un bon son dans l'instrument, surtout l'instrument avant. Premier bagage là, pile moun pa rann yo compte Jon Chita, Jon Ye et kon sa son en sorti. Jon Chita, c'est ça que fait nous toujours avec Hitler et m'a joué toujours comme ça. Même le m'a joué on stage, m'te gran pile vieux défaut. M'a prendre corriger yo, l'école a prendre me corriger yo. Lo Chita ou supposé Chita droit parce que vent que ou a soufflé, énergie ou c'est en dedans ou sorti. En dans vent tout énergie ou sorti. Ça veut dire supposer libérer corps moi-même et ça fait l'embral jouer en pile, me pas manger en pile pour en dans vent, mais pas trop coincé pour vent yo ka bien sorti. Énergie ou sorti en dans vent tout. Ou supposer libérer énergie, c'est ça que faut chita droite. Et même moun kap chanter tout. Sou chanter, yo toujours dit ou pour gagner une belle posture chest up et pour font pousser les épaules ou derrière tout petit pour son ka bien sorti. Pour vent qui a bien sorti, pour le cas bien libéré. Et deuxième bagaille, c'est kembe instrument dans une bonne position. C'est kembe instrument bien. Jon kembe instrument l'affecte ton ou l'affecte son. Kembe instrument bien. L'objet, quel que soit violon, objet ou bien instrument, objet, kembe instrument bien. Parce que technique ça yo. Yo permet ou pas ou ka aller sur YouTube ou ka aller sur Google chercher qui pi bon technique qui pi bon moyen pour kembe instrument si m'ap campé si m'ap chita nous même saxophoniste moun avant yo m'ka pi bien expliquer nous et pour kembe instrument droite pour kembe instrument devant et attacher corde là pour bien avec distance m'konn wè moun k'ap jouer saxophone ki konsa ouais kembe instrument droite kembe instrument droite. Et troisième bagaille, c'est la façon que vous respirez. Ça, c'est un gros point. Gros point, gros point. Respiration, c'est ce qui peut permettre notre belle. Il y a des gens qui disent, oh, qu'est-ce que vous faites jouer tout le temps ça? Vous avez celle qui fait jouer une heure dans son stage sans camper, deux heures dans sans camper? C'est la façon de respirer. Est-ce que vous utilisez respiration bien? Ou pas bouquer rapide, mais c'est les gens qui respirent. Les gens qui utilisent respiration, c'est ça qu'il faut pas bouquer. C'est ça qu'il faut faire la sortie avec justesse. Tout. Soit j'aime parler de justesse, de parler de façon pour jouer gamme pour la carité simple, pour sortir droite, il faut respirer bien tout. Par exemple, si ma fond note comme ça. Il est toujours conseillé pour respirer à côté bouchou et puis respirer avant jouer. Par exemple, si je vais jouer. Respiration doit placer à un bon côté dans la musique. Là. Toujours intelligent pour chercher qui est bon côté pour respirer dans la musique. Ça. Par exemple, si je joue à Haïti chérie, je respire à fin chaque phrase. Considérez la musique comme un langage. Considérez quand on va respirer dans un point avec virgule. Par exemple. Côté respirer yo ouais me chercher phrase yo me respirer me chercher en même temps on dit que me t'a respirer comme ça so respirer mal ou bouquer plus rapide et l'on respirer mal l'on reste si pour la chercher respiration ou va arriver au côté en même temps musique là l'on va le respirer a il va trop tard il va craser musique là il va craser feeling musique là. Et c'est ça que fait, même l'on pratique gamou ka joué. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si.
mire do. Ou cherche côté la mitan gam non courir respirer pour comme c'est joué. Respiration, j'en respire important en pile. Et li important pour tande tone quality. Your tone quality, you can probably fix things yourself. Just think about some sounding resonant and full. Imagine that you are vibrating the whole length of your instrument. So imagine que vous vibrez tout size instrument. Tone quality ou supposé attendre. Pour dire que faut apprendre juger tête. Pour dire est-ce que son ça juste. Moi même ça fait me toujours tant des vidéos, même toujours garder bagarre moi en pile pour me attendre comment me sonner parce que me toujours pas prendre de tête moi. Faut qu'a dire tout est-ce que son ça juste, est-ce qu'elle clean, est-ce que son full, est-ce que son plein. Et façon pour le plein premier bagarre là pour vibration, pour wave là quand on aller plus fort, c'est rester en tune, c'est kembe instrument accordé. Toujours jouer avec justesse, ça très 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 important. Pas oublier pour toujours supporter air que vous poussez. Toujours supporter air que vous poussez. Et yo dit que nous l'autre technique c'est toujours vibration, tu parler de lui. Ou juste vibration et non, surtout note qui long, yo par exemple, si m'a fait note qui long yo à la fin yo use une petite vibration tout petit. Mais on pas grave use vibration dans toute note yo. Et une bagaille dernier bagaille pour finir avec parce que moi temps a couru. En pile là nous jouer saxophone, en pile là nous jouer en pile instrument, nous toujours penser les nous forcer instrument et bouche nous pral faire ou bien ces gens nous jouer à pas faire son sorti bien. Pas vrai. C'est doué tout, c'est con gamon, c'est con note pour pral faire sorti bien. Mon temps des pile saxophonistes qui sonnent comme ça. M'pas dit que li pas musique, but li pas juste. Ou ka toujours add ça, oui, mais là toute musique là besoin faire là, li pas sonne bien. Li pas bon. Son vieille technique li que utiliser avec bouche. Right? Ouais, comparer première façon de jouer là avec deuxième façon de jouer là, ou après différence là. Mes amis, me senti me parler en pile et me pense qu'il y a un pile point qui discuter là, qui j'en pour kembe instrument, qui j'en pour jouer, qui j'en pour chita, qui j'en pour pratiquer gamou. Et qui j'en pour kembe et on note plein et bien. Quel que soit l'instrument joueur, tu joues piano ou tu joues et pianisme yo, gen façon que ou ka pratiquer gamou sou piano. Et gen pou, c'est parce que m pa gen temps qui fait m pa toujours la gen ti vidéo pour montrer ou qui j'en joue tel scale, tel gamme sou piano. Toujours jouer gamou parce que c'est ça qu'on va développer doit tout qui va le faire vite plus fast. Parce que doit tout supposé très connecté avec cerveau. Ou pas qu'on a des fois pensé à un bagage, il en tête tout et pour pas jouer ça qu'on est passé. Doit tout un petit genre lou toujours, il en cerveau mais le balan doit tout. Tout ça dans cerveau, tu as supposé l'en doit tout comme musicien. Et qui ça pour baoul pratiquer. On dit qu'on bagage, pa da da pa 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 pa. Voilà, pour ça faut qu'on ait ma fait fausse note parce que me penser bagarre dans tête moi mal aller sur instrument trop vite avec. Pa da da na pa 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 na pa pa pa. Regardez, on va le prendre slow. Pa da da na pa 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 pa. M'pèdi quelques notes, m'va laisser là encore. M'va laisser là encore. M'a monté tempo. Ah, m'a vini. Technique ça c'est juste pour montrer nous comment on peut pratiquer. Ou pratiquer instrument les ou pratiquer instrument, ou pratiquer note ou bien musique, tout ça on va faire, tout ça est impossible possible. On dit que
ou ap fè un bagay panana pa 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 li la tèt ou ka chante l so si la tèt ou tan de pitch yo tan de not yo prend slow panana pa 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 allez là encore pa 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 et ou ka use métronome ou là toujours on dit ou prend métronome nous mettez 50 ou pratiquer panana pa 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 ou monter le 55 pa na 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 pa 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 na pa 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 ou pratiquer la 55 là on 10 fois à 60 on l'autre 10 fois pa na 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 pa 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 et vous montez jusqu'à ce que monte ou saisi ouais jouer ca jouer petit bagage simple ça très 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 rapide et pendant on jouer le contrôler tout petit détail de tout yo qualité son contrôler justesse note tout et façon on souffler façon que chita. So c'est comme ça pour pratiquer musique en général. C'est comme ça pour pratiquer toute bagaille qui est difficile en général. Et c'est comme ça pour jouer en général. Je souhaite tout conseil ça va arriver sur tout le monde et pas oublier voyer question pour me connait qui ça la next édition qui ça pour me parler. Pas oublier mes amis à subscribe avec OneNote TV et puis Kettler Sax. Nous déjà subscribe avec Kettler Sax sur YouTube déjà, mais OneNote TV a ses plateformes pas nous, plateforme jeunesse là, jeunesse qui joue musique instrumentale là, pas oublier concours 12 novembre. Si vous regardez vidéo ça pendant que concours a fini, vous pouvez toujours aller sur page de TV à voir toute vidéo du monde ça. Bye love, Shirley et supporter musique instrumentale. One note for Haiti. C'était avec vous Kettler Sax.